pour vous aujourd'hui dans la rubrique clé de la presse francophone d'Afrique, 10 journaux sur le continent. Le tout premier, c'est l'économie quotidienne qui nous vient du Cameroun et dans sa parution affiche, eh bien, vente des livres non homologués, chasse ouverte dans les établissements scolaires. L'économie business Award Douala, 17 novembre 2022, c'est en oreille du journal Bilan économique. Les actions de Christophe Guillou à lire avec le journal Coopération. La BAD évalue la performance de son portefeuille au Cameroun. Yaoundé, la maison du textile, lance ses activités. À la suite de ce journal camerounais, nous retrouvons aujourd'hui le Maroc. Déclaration au nom du royaume de la 77e Assemblée générale de l'Union européenne par le chef gouvernement. Le plan d'autonomie et rien d'autre, exclamation. Les messages forts de Aziz Akanouja, l'ONU au sujet du Sahara. En progression de près de 3% à fin août 2022, collectivité territoriale, les recettes ordinaires s'élèvent à plus de 28 milliards de dirhams marocains. Renforcement de la coopération Maroc-BM au cœur d'un atelier à Rabat. Agriculture, 4 milliards de dirhams marocains pour appuyer Al-Jaïl Al-Akhdar. Avec un taux de récupération de 74%, nous restons avec aujourd'hui le Maroc. Aéroport, plus de 12 millions de passagers accueillis à fin août 2022. Il sera diffusé sur la chaîne 2M dès le 25 octobre Starlight, un nouveau programme pour découvrir les talents. Poursuivons, mesdames et messieurs, pour retrouver l'évidence qui nous vient du Sénégal. EVC pour Yankoba Diatara, Matarba toujours dans les cœurs. C'est une exclamation à la une du journal. Conditions de travail. Carrière des agents fonciers, les impôts et domaines en crise, s'exclame l'évidence parue aujourd'hui. Nouveau gouvernement et cocta du PS, Serigne Mbaye Thiam en nid palestinien. Nouveau gouvernement, Ibousso et son mouvement soutiennent Amadou Ba et puis Sénégal Power Compact, Sénélec et MC Sénégal, ils signent l'accord d'entité de mise en œuvre. Un autre journal, c'est le quotidien numérique d'Afrique, Jeudi Culture, avec ce journal, la 14e édition du Festival international de la mode en Afrique, présentée à l'UNESCO. Le Burundi regrette l'utilisation de ses tambours dans un festival en Ouganda. Pourquoi ? Le journal nous éclaire en page 11. Sidiki Diabaté en concert au Zénith ce 23 septembre. L'information est relayée ici. Et All Africa Music Award 2022, 4 artistes marocains nominés. Blaise Compaoré risque-t-il de perdre son titre de docteur honoris causa? C'est une interrogation du journal. Le quotidien d'Abidjan, c'est un autre journal que nous avons retenu pour vous aujourd'hui dans cette rubrique. C'est un journal ivoirien qui, en manchette aujourd'hui, affiche livre témoignage. Lida Kwasi fait de graves révélations sur la rébellion du 19 septembre 2022. Le film d'une nuit d'horreur. Eh bien, l'information est davantage détaillée avec le journal. Pour exiger la libération des prisonniers de la crise post-électorale de 2010, Samba David et la société dans les rues le 8 octobre prochain. 17e édition du PADEV, deux cadres du PPACI lauréat à Kigali. L'essor pour rester en Côte d'Ivoire. L'essor, c'est un autre journal qui nous apporte donc d'autres informations. L'essor ivoirien en manchette affiche amélioration du partenariat public-privé. Lancement de la plateforme e-fournisseur Patrick Achige. Le site, c'est une véritable révolution. Outils innovants pour l'amélioration du climat des affaires. Eh bien, c'est à lire avec l'essor ivoirien toujours. New York rencontre des premières dames d'Afrique. Dominique Ouattara a réaffirmé son engagement en faveur des femmes et des enfants en Afrique. Infrastructure routière, travaux d'aménagement du carrefour
Akwaba, docteur Amédée Kouakou, le démarrage effectif des travaux prévus pour le dernier trimestre de 2022. Le patriote, toujours de la Côte d'Ivoire. Développement de l'Afrique, c'est en oreille. La première dame se fixe de nouvelles priorités. 77e Assemblée générale des Nations unies depuis New York à propos des 46 soldats ivoiriens injustement détenus au Mali, selon le patriote de la Côte d'Ivoire. Ouattara prend le monde à témoin. J'appelle à nouveau à leur libération sans délai. Son état des lieux d'un pays qui a su relever de nouveaux défis, Oumaro Sissoko Embalo, président d'exercice de la CEDEAO, à la place des Maliens, j'aurais relâché les 46 soldats, je l'ai cité. Défis actuels pour revenir, eh bien, mesdames et messieurs, au Cameroun. Projet routier intégrateur, 77 milliards pour aménager la zone industrielle de Kribi. Transport, un système de vidéosurveillance pour limiter les accidents, c'est-à-dire en page 9. Hydrocarbures, toujours avec défis actuels du Cameroun. Eh bien, Sonara, 250 milliards de francs CFA pour la réhabilitation. Batouri, le Mindou inaugure 2,2 km de route bitumée et puis dépenses fiscales. Le fisc prend 2 638,4 milliards de francs CFA en 5 années. Retour au plan national pour retrouver l'autre quotidien. En manchette donc avec l'autre quotidien aujourd'hui, suspension de la peine privative de liberté, un projet de loi qui permet aux acteurs du crime d'en bénéficier. Législative du 8 janvier 2023, la NEPA proroge l'affichage de la LEIP de 15 jours. Déclaration de candidature aux élections législatives, Jacques Ayadji attaque la Sénat devant la Cour. Lisez-le en page 3 de l'autre quotidien paru aujourd'hui. Polémique autour de son nouveau bureau exécutif fédéral, la FNEB dément les allégations et rassure le rectorat sur la légitimité. Djakpata, c'est le dernier quotidien, le 10e donc retenu pour vous aujourd'hui dans cette rubrique sur Gulf TV Africa. Perspective des législatives 2023, la pré-campagne s'intensifie sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il de la grande masse sans portable Android, s'interroge Djakpata. Nouveau test pour le recrutement des AME au Bénin. Quel sort pour les aspirants en attente d'être redéployés? Si le chef de l'État compatissait aux douleurs de ces derniers, ce sont des interrogations. Le DDEP TFP au Dr Bertin Dansou aux élèves de l'UMB, je le cite, le succès de fin d'année se prépare dès le début de la rentrée. Fin de citation et fin de cette rubrique également aujourd'hui. Nous vous disons merci de l'avoir suivie.